Coucou, nous voici pour la carte sketch avec Coco et Mamie Cole du mercredi 21. Et oui, déjà le 21, on est déjà fin février. Demain, c'est l'anniversaire à mon bout de chou. Donc, comment dire, que je suis un peu nostalgique. Voilà, il va faire ses petits 2 ans, donc ça grandit. Bref, on n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour la carte sketch. Je pense que le thème, vous avez compris sur quoi ça va être. Et on va commencer. Alors, ça, pour le moment, je mets le côté, ça aussi. Donc, on va voir. Donc, je vous mettrai la carte ici, comme d'habitude. Il y a un fond, il y a un matage à faire. Parfait, le vert, c'est ce que je voulais. Alors, je pense que je vais prendre le vert clair. Je vais prendre celui-ci. Ce sera très bien. Donc oui, on a un joli papier, très moche. Mais pour faire le fond que je vais faire, il faut ça. Donc, moi, je vais rester sur une carte basique. Donc, est-ce que là, j'ai 21? Non. Donc, je prends 21. On va garder la petite chute. Ça peut peut-être nous servir. 21 sur 15. Je vais prendre des choses, pas de bêtises. Donc, 21 sur 15. Et on fait un pli à 10,5. Voici. Voilà. Donc on a la base de carte. Nous allons prendre j'en ai plus là. J'en ai plus. On va prendre dans un bloc. Je vais essayer de finir. En traversant le roman. J'ai rangé, je rangerai après, j'espère. Donc, j'ai dit 10,5, donc on va prendre 14,5. Sur 10. Hop là. Donc, hop, on a déjà ça. Alors, on va déjà placer notre bout de papier. Hop, je vais le faire là. Ensuite, je prends mon petit papier et je vais prendre cette partie là. Voici, hop, je me positionne. Voici. Hop, on va éviter de salir le truc avec ça. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vous laisse la lire. Moi et l'anglais, ça ne marche pas. Donc, on va éviter hein, une catastrophe. Allez. Faisons notre belle petite pelouse. Voici. Ça, je pense que c'est parfait. Je vais remettre ça sur le côté. Tac.
je vais essuyer tout de suite le mouchoir. Voilà, je le rangerai après. J'ai le temps de sécher. Donc je vais peut-être essuyer de m'essuyer les mains pour éviter de salir ma création. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Jusqu'à là j'ai réussi. Et par contre il faut que je fasse un genre de petit pochoir. Même style, mais en rond. Et encore une fois, on va utiliser des produits que je n'utilise pas tout le temps. Donc en fait, ça va être une carte comme ça. Produits qu'on j'utilise peu. Je crois que ça va être ça. On va faire ça comme ça. Je ne sais pas si ça va coller dessus, mais bon. Hop, pour pas qu'il bouge pour après. Donc, j'ai pensé à ce petit outil. Je vais prendre un petit de d'imprimante. Je vais la caler. Voilà. Et après, donc, je vais prendre mon distance. Je sais pas s'il m'en manque pas une. D'ailleurs, je suis en train de voir. Quelle taille je vais pouvoir prendre? Est-ce que ça va? Je vais prendre ça, je vais faire une au-dessus, je pense. Ouais. Prendre cette taille-là. Alors, je sais plus trop comment ça marche. Hop, voilà. Donc là, normalement, c'est dedans. Non, on doit tourner. Et c'est censé faire une découpe. Merdique. Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Hop. Ah, non, on a besoin de ça. Ah bon, c'est bon. Je pensais que c'était entre guillemets un peu plus compliqué que ça à utiliser, mais non. J'ai pas perdu la main. Hop, donc. Hop, ça on reste là. Ça va faire tes gros, non? Au final. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Hop, donc. Là, vous allez me dire avec le ce qu'il y a. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Donc ça. Je vais essayer de bloquer la feuille. Et je vais utiliser Punch à l'ananas de chez Stampin' Up. Voilà, là, on a un peu de tous les produits. J'ai du WeWork, Memory Skippers. J'ai donc du Distress Oxide, donc Stranger. On a du Stampin' Up. On a du Craftelier. Là du tout. Oups là, moi je mets le doigt dedans, ça va pas aller. Ouais, là. Allez, c'est parti. Voici. Verdict. Ça va. Donc ça, on met de côté. Hop. Ça. Ah.
je sais pas trop. Je dois avoir. Et là, bah, je vais faire des petits cercles comme ils veulent qu'on fasse. Même mon fils, je pense qu'il aurait pu la faire, la carte. Je m'amuse à faire un soleil, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'âge, hein. Voilà. Vous allez bien le voir. Est-ce que ça rend bien déjà? Oui, ça va. Regardez. Si vous allez voir, c'est très discret, mais bon. Donc voici. Je collerai après, parce que je n'ai pas fini. Par exemple, le lapin. Alors, je vais quand même le faire. Donc la carte normalement s'arrête là. Voilà. Ça donne, c'est censé donner ça. Je trouve que c'est un peu fade. Voilà, je voudrais rajouter quand même quelque chose. Que ça fasse beaucoup plus joli. Et je vais rajouter un lapin. Ça devrait être bon. Oups, on va garder ceci. Bon, je ne sais pas lequel je fais. Je pense que je vais faire les deux, tant pis. Pas très grave en ce moment. J'aime pas faire ça, mais tant pis. Là, j'ai pas le temps de sortir l'autre. Pour nettoyer mes tampons. Hop là. Je vais quand même tamponner l'autre. Hop. Voilà. Et je pense que le sentiment, je regarde si j'en ai pas près les doigts, je vais laisser toucher. Le sentiment, je vais pas le mettre. Ouais, c'est dit, on va faire ça. Joyeuse pack, je vais mettre ce joyeuse pack.
Fantastique. Donc là pour moi c'est du plus, hein, ça c'est plus avec le sketch. Oups. Ça, je le mets là pour le moment. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Et on va, je vais vous mettre sur pause, je découpe et je reviens. Voilà, je vous retrouve. J'ai donc découpé mes deux lapins. Il est où mon deuxième lapin? Il est là. Et j'ai fait ma petite bannière en même temps. Voilà. On aura le pire juste à assembler ensemble. Hop. Ouais, il faut que je me dépêche plus ou moins parce que je vais aller chercher mon petit chou. Alors, j'ai soit ça. On m'y regarde pas là. Il regarde pas. Ouais, on va faire ça. Donc, je prends ma colle. Genre free note où le lapin il sera derrière. Ça serait peut-être un peu plus joli. Est-ce que je suis encore sortie de ma zone de confort? C'est que j'ai détouré avec un petit côté blanc. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. Généralement je coupe au bord. Et là bah, je me suis dit, allez. Vu qu'on est, dans le utilisons ce qu'on n'utilise pas. Ou très peu, bah, je me suis dit, vu que ça je le fais pas jamais, je dirais même, je le fais jamais. Je me suis dit, allez, on le fait aussi. Voilà, hop. Mouchoir, non pas mouchoir comme ça. Mouchoir sec, vu que j'ai tout rangé. J'ai tout rangé, bah, tout est parti à la poubelle. Voilà. Je pense que le lapin, je vais le laisser blanc. Enfin, c'est comme ça. Tac. Eh ben, j'aime beaucoup ma carte. Simple. Un petit peu enfantin, limite. Mais bon, de temps en temps, ça ne me dérange pas. Hop, il est où? Je cherche toujours. Malgré ça, quand c'est rangé, c'est un peu compliqué. Parce que je ne trouve pas. C'est devant mes yeux. Pas nos marques. Il y a bien quand c'est enfoui au final. Donc. Voici ma carte sketch terminée. Moi je suis très contente de ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas encore à reproduire les cartes sketch que l'on fait. Ça nous fait plaisir de voir car comme je l'ai déjà dit, on a tous pas le même rendu. Et c'est ça qui est vraiment sympa. C'est qu'avec un seul modèle, je me répète, mais on a beaucoup de différences. Et ça c'est sympa. Bref, moi sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye !